Le Gabon devient le premier pays à reconnaître un droit de retour aux descendants des déportés africains. L'annonce a été faite à l'issue d'un colloque organisé dans le cadre de la décennie des Afro-descendants, une cause proclamée par une résolution des Nations Unies en 2014. Cela donne l'occasion à des personnes dont des ancêtres communs avaient été brutalement séparés, de reconstituer ces identités jadis éparpillées au gré d'une histoire, hélas, bien souvent douloureuse. Le Gabon entend accomplir sa part du devoir de mémoire et de solidarité en faveur de toutes les victimes du déni de l'humanité. Dans la déclaration de Libreville publiée au terme de ce colloque, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé à réviser le code de la nationalité. Une disposition spécifique sera introduite afin de faciliter l'accès à la nationalité gabonaise aux afro-descendants qui en exprimeraient le besoin. Une mesure forte de ce pays dont la capitale, Libreville, doit son nom à la libération des esclaves sur la côte suite à l'abolition de l'esclavage dans les années 1800. Vous savez ce que signifie le nom de la capitale du Gabon? C'est Libreville. C'est la ville qui était déjà appelée à prendre encore ou acquérir les afro-descendants, hein, dès le départ, tout comme le Libéria à l'époque. Non, c'était une volonté des panafricanistes de voir le retour des Africains américains compte tenu de ce qu'ils souffraient aux Amériques. Les Nations Unies estiment à 300 millions le nombre d'afro-descendants dans le monde, essentiellement en Amérique, aux Antilles et au Brésil. La décennie internationale des personnes d'ascendance africaine se poursuit jusqu'en 2024. L'initiative vise à reconnaître un groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés.